Bonjour, je m'appelle Darkis Leduc. Je travaille chez Moonlight Medium, ici à Rockland. Je suis un maître Reiki, donc j'offre des soins de Reiki et de Bars, qui sont deux soins énergétiques. La différence entre le Reiki et les Bars, c'est pas si facile que ça à déterminer, parce que c'est deux soins énergétiques. En réalité, avec le Reiki, mon travail se fait sur tout le corps au complet. Que ça soit directement sur le corps ou plutôt dans l'aura, on peut travailler dans l'aura. Et les barres, la différence, c'est qu'on travaille seulement qu'à la tête. À la tête, nous avons 32 points et entre chaque point, nous avons une barre. C'est pour ça que ce soin-là s'appelle les barres. Tout le monde peut apprendre. Ça, j'aimerais ça le mentionner. Tout le monde peut apprendre à faire les deux services, les deux soins. Ça ne prend pas un don en particulier. Tout le monde peut le développer. Même quand on ne ressent rien ou qu'on a l'impression qu'on ne ressent rien, ça ne veut pas dire que le travail ne se fait pas. Il n'y a aucun problème pour ça. Il faut tout simplement faire confiance puis accepter que l'énergie va aller à l'endroit où le corps en a besoin, tout simplement. Mais tout le monde peut apprendre à faire du Reiki et tout le monde peut apprendre à faire les barres. Donc, les gens peuvent ressentir soit de la chaleur ou du froid. Moi, je ressens surtout de l'énergie. C'est les gens qui vont me dire qu'ils ont ressenti de la chaleur ou qu'ils ont ressenti du froid. Pour moi, c'est une intensité que je ressens dans mes mains. Ça peut être vraiment comme une pulsation. Ça peut être même des fois un engourdissement. Mais c'est vraiment de l'énergie que je ressens. Moi, c'est en 2002 que j'ai pris que j'ai goûté à ça, c'est comme... Ça a commencé même dans les années 90, vraiment, par des cours de développement personnel. Et ensuite, en 2002, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a fait connaître le Reiki. C'est seulement qu'en 2004 que je suis allée chercher mon niveau 1. Et vraiment, après ça, je l'ai utilisé pour moi. J'aurais jamais pensé qu'un jour j'aurais travaillé avec ça. C'était vraiment pour mes besoins personnels. J'en avais vraiment besoin, puis je voyais à quel point ça m'aidait. Donc, c'est pour ça que je suis allée chercher mon niveau 1, pour moi, ma famille, mes enfants. Et c'est seulement qu'en 2011 que j'ai continué à aller chercher niveau 2. Et ensuite, j'ai connu les barres. Donc, je suis allée chercher encore là mon niveau avec les barres, qui est une autre modalité complètement. Et ensuite, je suis allée chercher mon maître Reiki, qui est le niveau 3 pour le Reiki. Quand je donne un soin de barre ou de Reiki, ici à la boutique, j'utilise une table de massage. Donc, les gens dans les deux cas sont bien installés sur une table de massage avec des couvertures, les oreillers appropriés pour rendre la personne le plus confortable possible et moi aussi. Donc, je me protège moi aussi, mon dos. Mais à part de ça, c'est seulement mes mains. Donc, je prends toujours la peine de poser des questions pour voir si la personne aime être touchée ou non et on respecte le besoin de chaque personne. Les gens qui viennent me voir pour des soins énergétiques viennent me voir pour toutes sortes de raisons. Il y en a que c'est pour l'anxiété, il y en a que c'est pour dormir, des douleurs qui savent pas, bien, ils savent d'où ça vient, mais ils aimeraient s'en débarrasser. Donc, dans les deux cas, j'aime bien que la personne choisisse. C'est la façon que je procède. Donc, j'explique les deux procédures ou les deux choix. Et j'aime bien que la personne prenne le temps de penser, de réfléchir et de choisir celui qui leur convient le mieux. Puis ensuite, bien, les bienfaits qu'ils vont en ressentir vont dépendre de leur corps à eux. C'est vraiment leur corps qui va réagir de la façon personnelle, d'une façon personnelle. Donc, on n'est pas toujours certain de ce qui va arriver, mais c'est toujours intéressant, puis j'aime bien faire un suivi. Donc, de 2 à 3 semaines après le soin, j'aime bien recontacter les gens pour voir qu'est-ce qu'ils ont remarqué de changement ou de bienfait. Donc, c'est surtout de cette façon-là que je fonctionne.
a la journée assez remplie aussi. Oui. On commence demain à 9h le matin? Oui. C'est avant qu'on ouvre même? Oui. Wow! J'ai rencontré Mary en travaillant chez Via Vispa. Mary louait une pièce pour offrir ses méditations, ses classes de méditation guidée. Et c'est de cette façon-là que je l'ai rencontrée. Ensuite, Mary a fait une lecture pour moi. Et j'étais très impressionnée. Il y avait des choses que personne ne pouvait savoir. Donc, j'étais vraiment impressionnée. Et ensuite, bien, c'est comme ça que je suis venue à travailler avec elle. Pour moi, Mary, quand je la regarde travailler avec les gens, c'est une personne tellement, qui veut tellement donner et qui est capable de... Je vois les gens rentrer ici avec parfois beaucoup de peine, beaucoup de douleur, beaucoup de peur, d'anxiété. Puis pas de la peur parce qu'ils entrent ici, mais de la peur parce que ils vivent des choses très difficiles, mais beaucoup de douleur surtout. Puis quand je les vois repartir, les épaules, le corps, le langage du corps est totalement différent. J'ai vu des changements d'attitude, le sourire quand les gens partent d'ici. C'est inimaginable le bienfait que Mary peut apporter sans même les lectures. Oui, c'est je suis confortable. Oui. OK, merci. Parfait. Donc, tu ne croises pas tes Après une séance de Reiki, comme j'expliquais tantôt, c'est différent pour chaque personne.
Mais les commentaires que je reçois souvent, c'est ils vont voir des couleurs. C'est comme si je les fais voyager. Mais en réalité, moi, je dis tout le temps que c'est pas moi qui fais rien, c'est plutôt la personne qui est prête à aller où elle veut aller. Donc, moi, je deviens comme un canal. Donc, mais ils vont me dire qu'ils ont ressenti de la chaleur. Souvent, ils ont l'impression que mes mains sont encore à un endroit, puis je suis rendue vraiment au pied de la personne, mais ils ont l'impression que mes mains sont encore là. Ils vont chercher les pads électriques ou les hot pads. Ils vont les chercher parce que mes mains deviennent très chaudes. Mais par contre, c'est la sensation qu'eux ont. Mes mains ne sont pas plus chaudes pendant que je fais le Reiki qu'à un autre moment donné. C'est vraiment l'énergie qu'ils ressentent qui fait ça. Il y a des personnes que ça va être le froid, mais la majorité du temps, les commentaires que j'ai eus, c'est vraiment beaucoup de chaleur puis beaucoup d'énergie. Il y a des gens qui vont voir des choses. Ils vont à des visites, soit de leurs êtres aimés qui sont de l'autre côté. Ça va arriver, ça aussi, de temps en temps. Il y en a qui vont, ils vont avoir pris une décision. C'est comme s'ils reçoivent un éclaircissement ou un message pendant qu'ils reçoivent le Reiki. Donc, ça m'est arrivé quelquefois. Les gens se lèvent de la table et disent, c'est comme s'ils ont trouvé la solution à un problème que moi, je ne connais pas. Ils ne m'en ont pas nécessairement parlé avant qu'on commence le Reiki, mais la réponse leur est venue pendant qu'ils l'ont fait. Donc, il y a toutes sortes de réponses. Je suis toujours curieuse, j'ai toujours hâte à la fin, justement, pour prendre quelques minutes pour jaser avec chaque personne. Je trouve ça toujours intéressant. J'ai appris le Reiki avec une dame de Plantagenet, mais ça se donnait à Ottawa. La dame travaillait dans une clinique de chiropratie. C'est comme ça que je suis allée. Ensuite, en 2011, quand j'ai voulu continuer avec, pour le deuxième niveau, j'ai eu la chance de le prendre ici à Rockland. Donc, puis j'ai continué avec niveau 3 aussi ensuite, par la suite. Ensuite, les bars sont arrivés. Puis quand j'ai voulu enseigner le cours de Reiki, quand j'ai voulu l'offrir aux autres, j'ai refait toute ma certification une deuxième fois avec quelqu'un d'autre ici, plutôt à Wendover. Donc, mon professeur, oui, mon maître Reiki était ici à Wendover. Ma première expérience avec le Reiki a été en 2004. Je ne me rappelle pas exactement de quelle façon ça s'est passé, mais j'avais la chance de me promener avec des dames qui m'ont fait goûter à ça. Ils m'emmenaient avec eux à Hall ou Gatineau. Puis, on avait la chance d'être traités par plusieurs personnes. Il y avait plusieurs lits dans une même place. Donc, il y avait une personne pour chaque lit. Donc, chaque personne qui était couchée, on recevait du Reiki d'une personne à la fois. Moi, ça m'aidait tellement que c'est ça qui m'a amenée à aller prendre mon cours en 2004. Donc, c'est de cette façon-là que j'ai commencé. J'en avais besoin pour moi. C'est ce qui m'a amenée à aller chercher le premier niveau parce que ça me permettait de m'en donner à moi-même. Donc, de cette façon-là, puis quand je suis allée pour le chercher, ce premier niveau-là, c'était dans l'idée de me traiter moi, mon mari et mes enfants. Jamais, j'aurais pensé en 2004 qu'un jour, je travaillerais peut-être avec ça. Mais la vie nous fait des beaux cadeaux, des belles surprises. Donc, elle nous amène où on a besoin d'être. Les différences entre le niveau 1 pour le Reiki et le niveau 2, c'est qu'avec le niveau 1, vous apprenez les positions, tout sur le corps. Donc, vous apprenez à vous donner du Reiki et aussi à le donner à quelqu'un d'autre. Le niveau 2, vous recevez des signes. Moi, ce que je trouve, à chaque fois qu'on reçoit, qu'on prend un niveau, on reçoit un attunement. Et l'attunement va élargir votre capacité à recevoir l'énergie, à la ressentir. Donc, puis en même temps, au niveau 2, vous recevez des signes. Les signes, vous pouvez les utiliser aussi bien pour donner un Reiki,
mais vous vous en servez aussi pour l'envoyer à distance. Donc, même si la personne n'est pas dans la même pièce que vous ou même dans la même ville que vous, vous êtes capable de lui envoyer du Reiki. La séance de Reiki qui m'a marqué le plus, moi, c'est une personne qui s'est mise à rire. Elle n'était pas capable, puis je sentais, à chaque position, je sentais le rire monter. On n'a pas réalisé, on n'a pas pu comprendre si c'était une nervosité, puis c'était sa façon de la relâcher. Mais ça, ça a pris au moins 10 minutes. Là. La personne, là, à chaque fois, elle partait à rire, là, puis je le sentais monter, le rire. Ça, vraiment, ça partait de loin. Ça, c'était vraiment spécial. Ça, c'était un de ceux qui m'a marqué beaucoup. Puis, une autre, justement, c'est une dame qui avait pris une décision en se levant de la table. Sa décision était prise, elle connaissait la réponse, elle savait ce qu'elle avait à faire. Mais je parlerai pas, j'expliquerai pas qu'est-ce qui s'était passé, mais ça, ça m'a vraiment frappée. Parce que c'était clair et net pour elle, en se levant de la table, elle devait faire ça. Puis moi, là, ça m'a vraiment surprise. Après avoir connu le Reiki, puis avoir avancé dans ça, j'ai eu la chance de découvrir les barres, qui est un autre travail énergétique. Les barres, c'est 32 points à la tête. Entre chaque point, il y a une barre. C'est pour ça que ce soin-là s'appelle les barres. C'est là où sont emmagasinés nos points de vue, nos jugements, nos croyances. Puis quand je parle de croyances, ce n'est pas des croyances religieuses, mais tout simplement des choses qu'on a acceptées depuis qu'on est tout petit. Nos parents nous disaient « Ah, nous, on est nés pour un petit pain. » Bien, ça, c'est une croyance. Donc, on peut y adhérer, on peut essayer de la combattre, mais c'est quand même une croyance qui est là dans notre vie. Puis, elle va teinter tout au long de notre vie, elle va teinter nos façons d'agir ou nos façons de penser. Donc, avec les barres, bien, ça permet d'aller éliminer ça si c'est plus nécessaire dans notre vie. Donc, quand on reçoit les barres, ça permet d'aller enlever les blocages. Puis, avec l'espace qui est créé de cette façon-là, bien, ça nous ouvre à des nouvelles possibilités puis à des changements. Parce que quand on regarde n'importe quelle situation dans notre vie, quand on les regarde toujours de la même façon, on voit plus les autres possibilités. Donc, avec les barres, bien, c'est ce que ça permet. C'est comme si ça nous enlève je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, là, pas les ornières, mais les choses à propos de nos lunettes, là, on dirait que ça nous élargit la vision. On est capable de voir autre chose que ce qu'on voyait. Moi, j'appelle ça changer de lunettes. Donc, c'est ma façon à moi. Donc, quand on regarde les choses toujours avec la même paire de lunettes, ben, on dirait qu'on voit juste ça. Puis là, tout d'un coup, on met des lunettes roses. Bien là, on dirait qu'on voit la vie totalement différemment. Pas nécessairement qu'on voit tout en rose, mais au moins, ça nous apporte une autre façon de voir les choses. Les barres, c'est 32 points qui sont situés à la tête. Donc, quand on reçoit le soin des barres, le travail se fait seulement à la tête. On les active tout simplement en mettant nos doigts vis-à-vis ou dessus. On n'a pas besoin de masser, on n'a pas besoin de presser. C'est vraiment tout simplement d'aller déposer délicatement les doigts sur chacune des barres. Donc, on en fait dépendamment de chaque barre. Il y a des fois qu'on a nos doigts à deux ou trois endroits en même temps. Des fois, c'est les cinq en même temps. Donc, chaque barre est différente. Donc, on place nos doigts différemment. Mais tout est à la tête. Dépendamment du temps, le traitement peut être différent pour chaque personne. Donc, dépendamment du temps qu'on a à travailler avec, on va soit faire toutes les barres, le faire moins longtemps sur chacune, ou on va faire certaines barres en particulier en faisant le travail plus longtemps. On y va selon l'énergie qu'on ressent. Donc, c'est toujours la personne qui donne le soin qui... elle y va selon ce qu'elle ressent. Donc, c'est complètement différent pour chaque personne et le résultat est différent aussi pour chaque personne. Tout le monde qui est intéressé par l'énergie pourrait apprendre à faire du Reiki. C'est même s'il y avait une personne par famille qui pouvait
donner du Reiki aux autres, il y aurait beaucoup moins de maladies. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ça pourrait... au niveau... Puis pas juste les maladies physiques, les maladies mentales aussi. Donc, le Reiki, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment quelque chose que tout le monde devrait apprendre. Puis tout le monde peut apprendre. C'est vraiment facile. Il s'agit juste parce qu'une fois qu'on a ouvert le canal, à chaque fois qu'on prononce le mot Reiki, l'énergie est là. On est capable de la ressentir tout de suite. Puis même si on ne la ressent pas, on n'a pas besoin de la ressentir pour que ça fonctionne. Il faut juste... J'étais pour dire, il faut juste y croire, puis c'est même pas nécessaire pour que ça marche. Parce que même si quelqu'un vient puis n'y croit pas vraiment, mais il ose essayer à recevoir un soin de Reiki, les bienfaits, il va les ressentir. Peut-être pas la journée même, puis peut-être même pas la première semaine. Ça va se faire au fur et à mesure. J'aime bien, moi, rappeler les gens 2 à 3 semaines après qu'ils ont reçu soit les barres ou le Reiki pour voir leur impression. Parce que souvent, c'est pas immédiatement. Il y en a que c'est automatique. Ils vont se lever de la table, ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire, ils voient déjà le changement. Il y en a d'autres que c'est plus... c'est caché, comme on peut dire. Ça prend un petit peu plus de temps avant de le ressentir. Si je fais juste de commencer, moi, à m'ouvrir à cette facilité-là de recevoir l'énergie ou de la lire, pour moi, c'est nouveau, ça. J'étais vraiment comme plutôt réservée à ce niveau-là. J'attendais que la personne vienne me voir avant de lui offrir un service ou quelque chose comme ça. C'était un genre de réserve, en même temps un genre de respect aussi pour la personne. C'est pas tout le monde qui aimerait ça nécessairement, se faire arrêter dans la rue ou en quelque part, puis lui dire « Je pense que tu as besoin de quelque chose, je pense que tu as besoin d'aide, est-ce que tu me permettrais? » Il y en a qui seraient vraiment contents, puis seraient vraiment comme ouverts à ça, mais je ne sais pas si tout le monde serait. Donc, moi, c'était ma façon à moi. Je me réservais une petite gêne, si on peut dire ça comme ça. Donc, non, ce n'est pas quelque chose que je fais régulièrement. Si je jase avec la personne, puis la personne mentionne qu'elle a une douleur ou un inconfort ou n'importe quoi que... Puis là, tout d'un coup, il y a un petit déclic où il y a quelque chose qui vient me parler puis qui me dit « Darkise, ce serait le temps là. » Là, je vais le faire. Là, je vais offrir. Mais d'arriver à côté de quelqu'un, puis de... Je ne me suis pas laissée... Je ne suis pas rendue là encore. Je ne l'ai pas. Mais ça, c'est mon ouverture à moi qui n'est pas... Je crois que je ne suis pas là encore. Mais c'est ma façon d'être à moi, ça. Pour terminer l'émission, j'aimerais... juste un petit mot comme ça. L'énergie ou le Reiki, c'est bon pour tout. C'est bon pour les plantes, c'est bon pour les animaux, c'est bon pour l'eau, l'eau qu'on boit, enlever les tout ce qui est dans l'eau, j'étais pour dire le mot toxine, mais sans être aussi loin que ça, amener une nouvelle vibration dans l'eau, à notre nourriture, c'est possible de le faire avec ça aussi. Donc, tout le monde en bénéficierait. Moi, je conseille à tout le monde de l'essayer au moins une fois. Et ensuite de faire ses propres conclusions.